Fabula, Benix, il est pour toi. My journey's only beginning. Évidemment qu'il est pour moi, je l'ai vu le premier. Ah bon? Parfaitement. Là, il a peur de moi, pas de toi. Comment tu le sais? Vous en avez discuté tous les deux? C'est toujours moi qui vois les sangliers. Le... Peut-être que je vais rabattre dans ton nez sans que tu t'en aperçois. Ah voilà. Mon sion astérique, c'est indéfendable. Pas guidé, oui. Pour les sangliers, et moi le plus rapide. Pour les manger, certainement. C'est le mien. Non. Pour de moi, pas de toi. Comment tu le sais? Vous en avez discuté tous les deux. Mais qu'est-ce que c'est que ça, partout, Tatix? Bon, Romain, il défique sa horreur de ça. Allez, allez, il défique, ça suffit. Fichez le camp d'ici immédiatement. Le chantier est strictement interdit au public. Est-ce que c'est clair? ah
J'aime bien les Romains sans armure. Ils font un joli bruit quand ils retombent par terre. Il faut qu'on se parte. Il est en réunion. Je peux prendre un message. Allez-y, les enfants, je vous écoute. Qu'est-ce qu'il faut, hein? Une histoire de poisson pas frais. Pas frais. Je répondais à une question. Allez-y. Nous sommes tombés sur des Romains dans la forêt. Des Romains avec des ficelles? Quel genre de ficelles? Le genre qu'on se prend les pieds dedans. Il s'agirait d'un chantier interdit au public. Qu'est-ce que c'est que ce chantier? Bon, tant que c'est que des ficelles, c'est pas bien méchant. Allez, aïe, on y retourne. Allez quand même surveiller ce chantier, on ne sait jamais. Hé, hey, on fait notre rapport. Fini ton rapport. Il est intolérable que des barbares moustachus viennent compromettre les plans de César. Je t'avais prévenu, architecte. Les Gaulois n'aiment pas qu'ils se promènent dans leur forêt. Leur forêt? Mais par du nom, où est-ce qu'ils se croient? C'est le problème. Ah oui? Eh bien, place à la civilisation. Leur forêt, on va la déboiser. Faudrait la dégauloiser d'abord. Pour ça, je te rappelle que César compte sur toi. Et j'estime... Ah oui, Centurion. Que se passe-t-il? Travailler plus pour gagner plus. Les esclaves se plaignent de l'inactivité. Ils s'ennuient. Les opérations sont momentanément suspendues pour cause de sécurisation du site. Comment? Comment quoi? Oui, ben, c'est pas grave. Bon. Anglégus, je te le répète, pour éviter les Gaulois, il faut travailler la nuit. Un chantier de nuit, c'est n'importe quoi. Exactement comme votre bandage. Centurion, pardonne-moi, mais mes collaborateurs et moi, nous sommes invités. C'est pas vrai, combien de fois il va vous le répéter? Vous attendez mon signal! Quel est-il ton signal? Quel est-il mon signal pour la 30e fois? C'est quand je lève le bras! Mais qu'est-ce qu'on attend par Jupiter? J'attends le rapport de mes éclaireurs! Les camarades et moi, on pense que tu fais trop de potins avec le petit architecte énervé. Retourne dans les rangs! Mais qu'est-ce qu'on fabriquait? Tu as levé le bras? Chiant. Pas du tout! Ah, si! Même que du coup, clac! Oh, j'ai le signal! Avec ah, Centurion! Éclaireur au rapport! Mais vous étiez où? Bah, là! Là? Mais vous éclairez quoi, là? Je ne verrai pas trop s'éloigner! Je vois rien, à cause de quoi? Des Gaulois! Des Gaulois! Comme les Russes! Sonne la retraite! Allez, Centurion! Revenez immédiatement, bande d'abrutis! Encore. Un coup des robes. Shut down. Voilà, il est fixe. Tout est rentré dans l'ordre.
Bon, pour ceux qui ont de la gelée de poing dans la tête, je répète. Vous écoutez ? Je croyais qu'on va se contenter d'un seul arbre par nuit. Vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au cubitus. Présent ! La ferme. Allez, restez pas planté là comme des girolles. Bon, où est l'arbre qu'on a arraché hier ? Alors, j'ai pas une très très bonne nouvelle. Il n'est plus arraché. De quoi ? L'arbre, il est replanté. Replanté au sens figuré ? Non. Replanté au sens replanté. Regarde. Oh ! Non mais c'est pas vrai, Centurion, le petit architecte recommence à faire du tintouin. Silence. Ça suffit, on rentre. On ne peut pas lutter contre pareil prodige. Pas question, on va arracher cet arbre. Encore ? Oui, encore, et on va le rapporter au camp pour être sûr que personne ne le replante. Attendez, notre fonction prévoit l'arrachage des arbres, ça c'est admis, mais leur transport... Vous êtes des esclaves, vous faites ce qu'on vous dit. Et vous la bouclez ! Centurion, c'est toi qui fais du tintouin maintenant. Moi, tu la boucles aussi, et vous, vous arrachez. Heureusement que j'ai pas amené des vêtements. Oh, druide, de quoi parler ? J'ai peut-être une bricole rigolote. Une bricole rigolote. Oh, oh, Obélix, la vitesse à laquelle il pousse. Je sais pas, ça pousse à quelle vitesse d'habitude. J'ai une nouvelle pas très rigolote. C'est vrai qu'à première vue, ça peut paraître décourageant. Il faut voir aussi le bon côté, la motivation reste intacte. Et ça, c'est formidable. En tout cas, personne ne songe à baisser les bras. Et je crois que nous devons nous en féliciter. Obélix mange doucement. Bon, pourquoi faire ? Tiens, il me reste encore un gland dans la poche. Non, Obélix, on partait. Obélix, tu vas me déraciner cet arbre immédiatement. Ah non, je peux pas faire ça avec les Killing spree. Donc, si je vous saisis bien, non seulement le chantier du domaine des dieux n'avance pas, mais les Romains n'ont pas envie d'aller y habiter. Il est vrai que nous heurtons à quelques réticences. Nos citoyens renaclent un peu à l'idée de s'expatrier en Armorique. Ceci dit, si on construisait le domaine des dieux juste à la sortie de Rome, bah ça les emmènerait moins loin de chez nous. Trouvez-moi une solution, comme d'incapables, ou vous finirez tous au marin avec les lions. Voilà qui divertira les citoyens. On les amène loin de chez eux. Les arènes. Voilà une excellente idée pour César. Ah ah, vilaine, tu fais détriper. Hercule, à moi, au secours, Hercule. C'est moi, Hercule. Je vais payer mes chantoyens si tu vas crever comme un cafard. Appelle juste. Fais obliger les tueries, les carnages, les massacres. Laisse-le, il s'amuse. C'est fou une violence pareille. Où est-ce qu'il va chercher tout ça ? On fait une prise double ou on tente la prise ? Double ! Et les cervicales, chef ? Ça va mieux ? Ouais, ouais. Il faut que j'évite les mouvements brusques. Prêt pour le coup du crotal ? Prêt ! Oh ! J'ai jamais aimé le coup du crotal. Bon bah, désolé vieux. Ouais ! Essaye de pas t'y reprendre à trois fois, t'es gentil. Ah bah voilà, une annonce. Y'a plus moyen de faire une mise à mort correctement. Oh, m'en parle pas. Tu en as assez de l'atmosphère empuantie de la ville, du bruit, de la frénésie, du trafic. Bon, non, pas vraiment. Sache qu'un joyau de quiétude s'offre à toi. Une cité nouvelle, dans son écrin de verdure, t'attend à moins de 3 semaines du centre de Rome. Le divin César offrira ce soir à l'un d'entre vous un splendide appartement du domaine des dieux.
l'impliable qui se trouve à tes pieds. Mais c'est magnifique! Oui, mais c'est en armorique. C'est où l'armorique? Je sais pas, mais c'est loin. Que le grand tirage au sort commence! Heureux vainqueur et le détenteur de l'impliable niveau. Wow. C'est toi? Vite, descends! Descends! Je peux pas dire l'armorique! Mais tu sais même pas où c'est! Alors, qui est l'heureux numéro 2? C'est nous! C'est cette personne! On a gagné moi, mon gladiateur! On l'acclame bien fort pendant qu'il descend dans l'arène! Oh! Regarde comme ton père est beau! On dirait un héros grec! Bravo! Bravo! Souris, rendis ton numéro et souris. Adapt to all situations. C'est où déjà l'armorique? En go. Ah oui, ça fait loin quand même, hein. Et alors, si je refuse de partir? Eh ben, tu restes là. Oh yeah, that's right. Wow. That's a lot of... Et on lâche les liens. Non, mais alors c'est vrai que un peu d'air pur, ça ne peut faire que du bien. Ça fait loin quand même, hein. Et alors, si je refuse... Gentiment à Rome et expliquer à tout ce beau monde que la rigolade est finie. Jamais, pendant, jamais, César m'a confié une mission et je l'amènerai au bout. Tu sais, faire mourir les esclaves à la tâche. Faire mourir les esclaves à la tâche. Continuons à replanter les arbres, c'est ce qu'il y a ou pas. Et qu'est-ce qu'on peut faire pendant un mix? Réfléchis. Moi, j'ai bien une idée, mais je suis sûr que vous n'allez pas vouloir. Mais si on connaît aux Romains, ils peuvent rappeler général. Voilà, c'était ça, mon idée. Pour protéger les gens, j'ai un... Blanc, il nécessite une rapide, c'est vrai. Mais, une petite rapide. Ça existe, ça? Jin-fou-mi. Jin-fou-mi. Excusez-moi, le cœur des esclaves. Bonjour! Vous pouvez pas savoir que je suis pas l'humeur! Put away! Oh.
potion magique qui donne une force surhumaine. Cadeau. Vous la contrôlez pas avant pour être sûr. Non. Il ne vous reste plus qu'à vous mutiner et fuir. Vous êtes prêts. Bon. Moi, j'ai tout d'abord envie de... Mais la fuite est-elle réellement issue? Pardon? Vous parlez de fuite, mais la fuite n'est-elle pas... Non. Tout ça plutôt au début d'une porte. Et pourtant, pas de suite sans doute. Vous taquez la peau, mais admettez qu'il y a matière à débat. Juste pour montrer qu'il est trop urgent. J'ai juste envie de revenir sur la notion de... Bon, tu la prends ta potion ou on t'en colle une? You take your potion. Totally, totally. Qu'est-ce qui s'est passé? Un beau témoignage de respect de nos voisins gaulois. Ah non, hein, vous, c'est vraiment pas le moment. Aïe. À partir d'aujourd'hui, nous toucherons une solde équivalente à celle des légionnaires. Nous voulons des congés, 2 repas par jour. 13. Comment? 3. Ah oui, donc 3 repas par jour. C'est tout? Pas tout à fait. Quand le premier immeuble du domaine des dieux sera bâti, nous voulons être affranchis. Affranchis? Libre. Ah si, si, libre. Et du coup, on exige un logement chacun dans l'immeuble qu'on aura construit. Voilà, ça c'est le plus. Présent. Chut! Tu vas pas accepter ça? Si. Ça me semble prudent. Marché conclu. Présent. What's going on? Ça, il faut admettre, l'architecture romaine, c'est quand même drôlement impressionnant. Oh, c'est du bon boulot, hein. Qu'est-ce que tu fiches là, toi? Centurion, selon un bruit qui court, il serait question que tu donnes aux esclaves la même solde qu'à nous. Bah, évidemment, tu confirmes que c'est des salades. Oh. Hey, bien. Non, c'est la mienne. Morti, morti. Si on vous a donné la potion magique, c'est pour vous enfuir. Alors voilà, on en a beaucoup débattu, et il apparaît que la condition d'esclave en fuite ne représente pas la perspective d'une carrière épanouissante. Qu'est-ce que vous voulez de plus, Partutati? En toute simplicité, devenir des citoyens romains libres. Et pour ça, nous devons finir cette immeuble. Nous ne pouvons pas te laisser détruire notre forêt. Cette plaisanterie a assez duré. Éloigne tes hommes. Quand nous reviendrons, ce sera pour détruire ce chantier. Tout le monde a été servi, les enfants? Ouais. Non. Bon, un peu de silence pour mon discours. Allez. Vous ne savez même pas sur qui il faut taper. Mais on s'en fiche. Du moment qu'on tape. Ce qu'il faut démolir, surtout, c'est un... Oui, oui.